OK. Alors, j'aimerais continuer dans la série de mes messages que j'avais commencé il y a 3 semaines maintenant. Et le thème de ce message, et depuis le début de l'année d'ailleurs, on a parlé de ça, c'est le programme qui dérange. OK. On avait parlé donc dans Actes chapitre 2, verset 41, que les premiers disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Vous vous souvenez, ça c'était le premier message que j'ai donné là-dessus. Et aujourd'hui, j'aimerais continuer avec la deuxième chose dans laquelle ils persévéraient. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. OK ? Vous connaissez ça ? Dans la communion fraternelle. Quand on parle de communion fraternelle, quelle est la chose à laquelle vous pensez immédiatement ? Vous, peut-être qu'il y avait un petit peu de la bouteille dans la vie d'église, quand on parle de communion fraternelle. À quoi ça vous fait penser tout de suite ? Vrai ou pas ? Les repas fraternels, ça vous dit quelque chose ? Ou les agapes du dimanche midi, hein ? Qui a déjà vécu ce genre de repas ? Ah, magnifique ! Mais j'aimerais vous dire que ça ne suffit pas. On ne peut pas limiter la communion fraternelle à un simple repas, même si c'est une bonne chose de manger ensemble. Et Dieu sait qu'on aime ça, on aime manger, comme Josias l'a rappelé. Et si vous invitez Josias à manger, vous avez bien compris qu'il faudra toujours un bol de riz à côté et que les pâtes ou les patates ne suffiront pas. Donc, mais ça ne suffit pas, effectivement, uniquement de passer un temps juste autour de la table, même si c'est une fois par semaine. On ne peut pas limiter ça à la communion fraternelle. C'est un bon début, mais c'est loin d'être la signification pleine et complète de ce qui est partagé ici dans ce texte. Tout d'abord, parce qu'il y a le mot « persévérer ». Persévérer. Il est bien, il dit « ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle ». Donc, il doit y avoir un certain engagement dans lequel nous devons participer, nous rendre participants dans ce projet justement de vie communautaire, de fraternité. Et ici, le mot communion, en grec, c'est le mot koinonia. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot. Koinonia. Et ce mot, donc traduit du grec, veut dire communion fraternelle, ok ? Il veut dire aussi commun à plusieurs personnes. Il veut dire contribution. Il veut dire don. Prendre part, il veut dire communication aussi, il veut dire association, dispensation. Qu'est-ce que c'est dispensation ? C'est tout simplement accorder, distribuer. L'union, participer, participation, libéralité. Voilà tout ce qui est enfermé dans ce mot communion, dans ce mot koinonia. Et j'aimerais qu'on prenne quelques minutes, on va essayer de relever le défi de Josias, en moins de 30 minutes, de pouvoir vous partager sur ce sujet. Dans le Nouveau Testament, ce mot koinonia apparaît 17 fois. Ne soyez pas inquiets, je n'aurai pas 17 points aujourd'hui. J'en ai que 20. Non, vous ne soyez pas inquiets, Mais ce qui est important de noter, c'est que le mot koinonia, le mot communion fraternelle, communion ici, apparaît pour la première fois là, dans Actes 2. C'est la toute première fois que ce mot apparaît. Koinonia. Ils persévérèrent dans koinonia, la communion fraternelle. C'est un nouveau mot qui arrive dans la parole. Pourquoi ? On l'a vu, les premiers disciples qui était passé par le chemin de la repentance, le fait de reconnaître Jésus comme son Seigneur et Sauveur, de reconnaître qu'on est pécheur, mais qu'en Christ, nous pouvons changer de vie, nous faisons demi-tour, nous prenons le chemin qui est Christ. Ensuite, ces mêmes disciples qui sont passés par le baptême d'eau, c'est ce que Laetitia a fait, et ce que d'autres ont déjà fait, et que d'autres vont faire au mois de décembre. On prépare une dizaine de nouveaux baptêmes au mois de décembre. On peut se réjouir pour ça, amen. Alléluia, on peut rendre gloire à Dieu pour ces personnes qui s'engagent. Et puis ensuite, ces mêmes personnes, ces mêmes disciples avaient été remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est l'œuvre complète du salut, okay ? La repentance, le baptême d'eau et le baptême dans le Saint-Esprit. Et ces personnes qui ont vécu tout cela, cette nouvelle vie, vont vivre aussi cette nouvelle dimension de la communion fraternelle. Il y a ce nouveau mot et ce nouveau programme qui arrive pour eux.
Amen. Il y a un nouveau programme que Dieu a prévu pour tous ceux qui sont passés par la repentance, le baptême d'eau et le baptême dans le Saint-Esprit. Il y a une nouvelle vie, un nouveau programme pour tout cela. Et c'est maintenant que la vie chrétienne démarre véritablement. Et la bonne nouvelle est, les amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Vous êtes prêts à l'entendre ? Mais tous ceux qui passent par là rejoignent une famille. D'accord. Pensez que c'était une bonne nouvelle. En fait, vous n'êtes plus seuls. C'est ce que ce passage dit. C'est que maintenant, vous avez des frères et sœurs. Wouhou ! Les frères et sœurs, mais je ne les ai pas choisis, moi. Qu'est-ce que je vais faire avec eux, moi ? Hein ? Et c'est là tout le défi, les amis. C'est là qu'on se rend compte que sans le Saint-Esprit, il n'est pas possible de vivre véritablement dans cette communion fraternelle. Nous faisons tous maintenant partie d'un corps, du même corps, de la même famille. Nous sommes tous liés les uns aux autres. Et j'aimerais déclarer aujourd'hui, pour nous, Église SOS, mon souhait, c'est que nous soyons une Église qui aime et pas simplement une Église qui parle de l'amour. Nous voulons être une Église qui aime et pas simplement une Église qui parle d'amour. Et il y a une grande nuance entre parler d'amour et véritablement aimer. Et nous ne voulons pas simplement chanter l'amour, nous voulons vivre l'amour. Nous ne voulons pas simplement prier les uns avec les autres, mais nous voulons prier avec amour. Nous voulons être portés par cette communion fraternelle qui vient directement du ciel. Et j'aimerais donner deux points seulement ce soir avec vous. Deux points, ça va, vous êtes prêts pour ces deux points ? Deux points ultra simples. Alors les points, ils sont les suivants. Le premier... Eh bien, cette image, hein. C'est une relation nouvelle. Il ne peut pas y avoir de communion fraternelle si nous ne commençons pas une communion personnelle avec Dieu lui-même. Je vais m'expliquer un petit peu là-dessus. Il ne peut pas y avoir de communion avec les frères et sœurs que vous voyez, que vous côtoyez. Vous ne pouvez pas entrer dans cette véritable communion fraternelle dont il nous est parlé dans Acte 2 sans d'abord, premièrement, vous ici et moi inclus, que nous ayons d'abord une relation personnelle, une communion, une relation nouvelle avec Dieu le Père. La vraie relation fraternelle, communion fraternelle, est une conséquence directe de notre communion d'abord avec le Père. Il faut bien saisir ça cet après-midi, les amis. C'est une conséquence, ce n'est pas quelque chose que nous allons chercher à nous battre pour pouvoir l'obtenir, mais si nous cherchons d'abord à communier avec Dieu, naturellement, la conséquence, c'est que nous allons pouvoir vivre une véritable communion avec les autres. Nous ne pouvons pas aimer, communier, persévérer avec les hommes si nous ne connaissons pas leur Créateur. Il nous faut absolument connaître leur Créateur avant toute chose, ok ? C'est mon chrono ici, alors c'est pour ça qu'il faut que je le rallume de temps en temps pour être sûr que je suis l'exemple de Josias, ok ? Puis si jamais j'ai pas de chrono, j'ai un chrono ici qui me regarde droit dans les yeux, donc j'ai plein de chronos autour de moi, plein. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun ? Ici, le mot commun, c'est le mot communion, c'est le mot koinonia. Qu'y a-t-il de commun ? Quelle koinonia, quelle relation y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Bélial, c'est Satan. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Oh, je serai pour vous un père.
Et j'aimerais nous le rappeler cet après-midi. Dieu souhaite être véritablement ce Père dont tu as besoin pour toi. Il désire cette communion, cette nouvelle communion avec sa créature, avec les merveilleuses créatures que vous êtes. Il souhaite communier à un tel point que vous pouvez dire, c'est mon Père. C'est le niveau de communion qu'il souhaite avec toi. Que tu puisses le découvrir et le reconnaître comme ce Père dont tu as besoin, dont j'ai besoin. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Waouh ! Ça, c'est la communion dont nous avons tous besoin, les amis. Avant même de pouvoir vivre une véritable communion fraternelle, il nous faut vivre la communion avec notre Père. Découvrir l'amour du Père afin que je puisse reconnaître que je suis son fils ou sa fille. Si aujourd'hui, tu ne peux pas déclarer avec assurance que tu es son fils ou tu es sa fille, alors tu as besoin d'abord de te connecter, de communier, de croire en ce Dieu qui t'aime et ce Dieu qui t'a choisi. Tu as besoin de t'approcher de lui à nouveau, de le découvrir premièrement. Ça, c'est la première étape indispensable. Cette véritable communion avec Dieu le Père. Comment ? Par son Fils Jésus-Christ qui nous donne la conviction par son Esprit Saint que nous sommes fils et filles. Et donc, nous faisons partie d'une même famille ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Sommes une même famille ! Je savais que ça allait vous encourager cet après-midi. Nous sommes une même famille ! Nous ne communions plus avec les ténèbres, mais avec la lumière. Amen. Nous ne communions plus avec les vaines idoles, mais avec Dieu lui-même. Nous communions avec Dieu le Père. Nous communions avec Christ, comme il est dit dans ce texte, et non plus avec le diable Bélial. Philippiens 3, verset 10. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. Et la communion, encore une fois, koinonia ici, et le koinonia de ses souffrances. Waouh ! Ça, c'est encore un nouveau niveau de communion avec le Père. Je fais un avec ses souffrances. Est-ce que vous avez déjà vécu cela ? C'est-à-dire que vous n'avez pas ressenti physiquement ses souffrances parce que c'est insoutenable. Mais vous avez senti le poids de votre péché sur votre vie. Et par conséquent, vous avez réalisé le poids de la souffrance que ce Jésus a enduré pour vous. Vous reconnaissez les souffrances de Jésus suffisamment grandes et puissantes pour vous libérer de vos péchés. La communion de ces souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. C'est des mots forts, les amis, ce qu'on lit là. C'est une telle communion dans les souffrances avec Jésus que je suis conforme avec lui dans sa mort. Pourquoi ? Pour la résurrection aussi avec lui. C'est ça, c'est le niveau de la communion dont nous devons déjà vivre personnellement avant de vivre une communion fraternelle avec les autres. La véritable communion koinonia fraternelle démarre dans cette communion avec Jésus. Nous communions et nous prenons part, on l'a lu tout à l'heure, koinonia c'est prendre part, nous prenons part avec lui en toutes choses, souffrance, mort, résurrection. Ne faire qu'un avec Jésus. Un avec lui. Ça c'est le défi de tous les jours les amis. Nous ne serons jamais arrivés. C'est pour ça que notre communion fraternelle ne cessera de développer et de grandir. Plus nous allons communier avec Jésus, plus notre relation fraternelle va se développer, plus nos liens se tisseront, plus nous deviendrons véritablement cette famille. Pourquoi ? Parce que nous allons réaliser véritablement l'amour. Nous prenons part aux souffrances, à la résurrection et à la vie de Christ. Donc nous découvrons l'amour, la résurrection, la puissance de l'amour que Christ a aussi pour ceux qui sont autour de nous. Et c'est ça qui va nous lier. Et pas simplement si je m'entends bien avec lui, si j'aime bien sa tête, s'il me prépare des bons plats. Ça n'a rien à voir avec tout cela. Cette communion fraternelle vient de Dieu. C'est le projet de Dieu. C'est le projet de base initial qui avait été prévu que nous soyons cette famille. Devenir conforme à lui dans sa mort, c'est quoi ? C'est tout simplement la mort à soi. Mourir à soi-même. Est-ce que nous mourons qu'une fois ? Non. Tous les jours,
Tous les jours, les amis, et moi le premier, tous les jours, je dois... Il faut que je meure à moi-même, il faut que je me rapproche de Jésus, il faut que je communie avec Jésus pour pouvoir continuer cette communion fraternelle. Il faut que je communie avec celui qui est mort pour moi et qui est ressuscité pour moi. Lui qui s'est abaissé jusqu'à nous, pour faire quoi ? Pour nous servir et non pour être servi. Oh, lui est l'exemple. Lui qui est venu comme le Fils de l'homme et pas simplement comme le Fils de Dieu. Il est venu comme le Fils de l'homme. Il s'est abaissé jusqu'à nous. Il n'est pas venu en grande pompe, dire « je suis le Fils de Dieu. Regardez-moi. » Non, il n'est pas venu comme ça. Il est venu tel le Fils de l'homme. Il s'est abaissé. Il a mangé avec les hommes. Il a vécu avec les hommes. Il a dormi avec eux. Et il est mort pour eux. Il les a servis jusqu'à la mort. Il les a servis jusqu'au bout. Chemin de souffrance. Pourquoi ? Parce qu'il nous a aimés. Il s'est abaissé. Et nous devons faire un avec celui qui s'est abaissé. Nous devons prendre ce chemin, ce même chemin de la communion avec lui. Vous pourrez lire ça dans Marc chapitre 10. Lui qui est venu donner sa vie comme la rançon de plusieurs, il s'est fait homme pour l'humanité entière. L'humanité entière. Vous savez, le même amour qu'il a pour vous, vous qui êtes sauvés aujourd'hui, vous pourrez se dire, oh Dieu m'aime. Mais le même amour est pour celui qui n'est pas encore sauvé. Il n'y a aucune différence entre l'amour qu'il a pour vous que qu'il a pour celui qui est dehors encore aujourd'hui. Le même amour, c'est le même. Exactement le même. Et Dieu ne changera pas. Il ne changera pas. Jean 1, verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion, encore une fois, communion, koinonia, il fait partie des 17. Si nous disons que nous sommes en communion, donc si vous dites aujourd'hui, moi je suis en communion avec Jésus, je connais Jésus, je suis Jésus, alors voici ce qui est dit, et que nous marchions dans les ténèbres, c'est-à-dire que nous vivons une vie qui n'est pas celle que Jésus aurait vécue sur terre, ok ? Vous me suivez ? Si nous marchons sur le chemin que Jésus lui-même n'aurait pas emprunté sur terre, c'est-à-dire que nous marchons dans les ténèbres. Vous êtes là ? Ok ? Alors il dit, nous mentons. On est des menteurs. Si tu dis que tu es en communion avec Jésus et que tu marches dans les ténèbres, tu es un menteur. Et nous ne pratiquons pas la vérité, alors tu es menteur. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Koinonia. Nous sommes mutuellement en communion. Donc tous ensemble, on est en communion. Koinonia. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Oh là là, ça c'est extraordinaire. L'on puisse être tous ensemble en communion. Comment ? Par le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché. Et si nous restons couverts par le sang de Jésus, alors nous allons pouvoir continuer à marcher dans la lumière, vivre dans la lumière, qui veut dire quoi ? Vivre dans cette véritable communion avec le Père au travers de Jésus et ensuite vivre cette véritable communion fraternelle. La question à se poser aujourd'hui, c'est est-ce que je suis en communion avec Dieu ? Est-ce que vous êtes en communion avec Dieu ? Est-ce que je marche véritablement dans la lumière ? Quand tu regardes à ta vie aujourd'hui, est-ce que tu dis, oh oui, je marche dans la lumière ? Ou je ne sais pas. Ou vraiment pas. Vraiment pas. Est-ce que je pratique la vérité ? Est-ce que je pratique ce que la Bible m'enseigne ? Oh oui ! En tout cas, j'y arrive pas toujours, mais c'est mon souhait. Je veux marcher, pratiquer la vérité. Je veux compter sur lui tous les jours. Je m'accroche à sa parole. Je suis attaché à ses mots. Je suis attaché à ses promesses. Et mon seul souhait, c'est de marcher dans la vérité. Oh oui. Ouais, ben, je prends les vérités qui m'arrangent. Et puis les autres, ben, je me dis que je verrai plus tard. Ou ben, je sais pas, parce que la parole, je la lis pas vraiment. Je sais pas alors, si vraiment je marche dans la vérité. C'est important de se poser ces questions. Parce que peut-être vous vous dites que vous êtes dans la lumière sans l'être vraiment. Si tu l'es, tu es en communion avec Jésus. Tu es couvert par le sang de Jésus qui purifie tout péché.
Donc tu as l'assurance que tu es fils et fille, parce que tu es accepté, parce que Dieu est ton Père. Seul le péché peut t'empêcher d'avoir une telle conviction. C'est le péché qui t'empêche d'avoir la conviction que Dieu est ton Père. Mais quand Jésus te lave de tout péché, alors il y a cette assurance que tu es son fils, que tu es sa fille. Oh, et c'est là que tout devient possible. C'est là que l'extraordinaire prend place. C'est là qu'on voit véritablement l'œuvre de Dieu se faire. Alors si tu n'es pas certain aujourd'hui, rien de grave. Mais la première étape, elle est là. Il faut que tu puisses d'abord communier avec Dieu au travers du sang de son Fils Jésus-Christ qui te purifie, te lave de tout péché et que tu puisses déclarer « Il est mon Père et je suis son enfant ». Ça, c'est la première étape indispensable. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet. C'est l'apôtre Paul qui parle. Pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ, car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi par vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes dans la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira jusqu'à la fin. En quelque sorte, au travers de cette communion, alors il y aura la force nécessaire pour continuer. Persévérer, n'est-ce pas un mot que nous avons trouvé dans Acte 2 tout au début ? Ils persévérèrent. Donc comment est-ce possible de persévérer ? Par la relation et la communion que nous avons en Jésus-Christ. Autrement, il n'est pas possible de persévérer. Par nos propres forces, nous ne pouvons atteindre aucune communion avec Dieu et par conséquent, aucune communion fraternelle. Tout vient de Christ, tout est pour lui, tout se passe au travers de lui. Il vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez comment ? Écoutez bien, que vous soyez irréprochables. Oh, ce ne serait pas beau ça qu'un jour, quelqu'un vienne vous dire, tu es irréprochable. Oh, je n'ai rien à te reprocher. En Jésus-Christ, écoutez bien, en Jésus-Christ, dans la communion que vous aurez en Jésus-Christ, vous aurez de l'assurance pour venir devant Dieu, afin qu'il puisse te dire, tu es irréprochable. Parce que celui que je vois, ce n'est plus toi, c'est Christ qui est en toi. Et ce Christ-là, il est irréprochable. Ce Christ, il est pur. Ce Christ, il est saint. Je le connais, c'est mon Fils, il est mort sur la croix pour toi. Et aujourd'hui, je ne te vois plus, je vois Christ en toi. Oh, ça change tout, les amis. Ça change absolument tout. Et quand tu es en Christ, tu es plein d'assurance, tu es plein de joie. Tu es irréprochable. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ. Dieu est fidèle et il vous appelle à la communion. Dieu vous appelle aujourd'hui et il m'appelle. Il est temps de communier avec mon Fils. Parce que par mon Fils, vous allez découvrir véritablement qui je suis. Vous ne pourrez pas découvrir autrement que par lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir si ce n'est par lui. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui que j'ai envoyé. Alors Dieu nous appelle et cherche à vivre, écoutez bien, la même puissance de communion qu'il a eue avec son Fils, avec chacun d'entre vous. Vous imaginez ça en fait ce que Dieu veut ? Il veut avoir le même type de communion qu'il a eue avec Jésus, il veut l'avoir aussi avec chacun d'entre nous. C'est pas incroyable ça ? Moi ça me fascine de dire mais Dieu m'a tant aimé qu'il se dit, je veux communier avec Matt autant que j'ai communié avec Jésus. Je veux avoir autant de relations avec Jésus qu'avec Matt. Waouh ! Moi, je dis waouh à ça, parce que c'est juste incroyable que je peux aujourd'hui communier avec Dieu comme Jésus lui-même a communié. Il n'y a rien aujourd'hui qui puisse m'empêcher, si ce n'est mon péché. Si ce n'est mon incrédulité dans ce que Jésus a fait pour moi. C'est tout ce qui m'empêche, c'est le seul pas qui m'empêche de pouvoir avoir cette communion et de développer cette communion. C'est mon incrédulité, c'est ma culpabilité. Et c'est pour ça que nos regards doivent être fixés sur Jésus, constamment sur lui. Amen. Vous êtes prêts pour le deuxième point? Ça c'était le premier point, une nouvelle relation avec Dieu lui-même. Et j'aimerais te dire, si tu n'as pas de relation avec Dieu, il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, tu peux choisir de communier avec Dieu et entrer dans une nouvelle relation éternelle avec celui qui est capable de changer ta vie.
Amen. Deuxième chose, deuxième point, une famille nouvelle. Ouais. Wouhou. Vous avez l'air heureux. Ouais. Et c'est là que les ennuis s'arrêtent. Vous avez tous dit comment ça? Comment ça? Comment ça? Écoutez, Philippiens 2, verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ. Amen. Qui a été consolé en Jésus-Christ? Amen. Nous sommes consolés en Jésus. S'il y a quelque soulagement dans l'amour, nous sommes soulagés dans l'amour. S'il y a quelque communion, encore une fois, koinonia, communion d'esprit. S'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, compassion, miséricorde, amour, waouh, toutes ces choses, on les trouve en Jésus. Ça, c'est les bénéfices d'une relation avec le Père. Vrai ou pas? Relation avec le Père, au travers de Jésus, il y a consolation, amour, restauration, guérison, salut. Ça, c'est juste extraordinaire. Et ça, c'est la première étape. Mais Paul va plus loin et qu'est-ce qu'il dit? Rendez ma joie parfaite. Rendez ma joie parfaite. Mais comment, Paul, comment on peut te rendre si heureux? Une joie parfaite. Et lui, il dit, ayez un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. C'est possible ça? Que nous ici, tous ensemble, dans ce lieu, on ait un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Qui peut s'accorder avec moi pour dire qu'aujourd'hui, humainement, ce n'est pas possible? C'est pas possible. Parce que si aujourd'hui, à l'instant où je parle maintenant, on projetait les pensées de chacun ici sur l'écran, est-ce qu'on aurait tous les mêmes pensées? On fait un essai? Ah! Hein? Désolé d'en avoir réveillé certains, là, maintenant. Hein? Ok. Les amis, il y a une nouvelle étape, c'est l'étape de la famille. La première étape est très personnelle. C'est Dieu pour moi. Dieu me restaure. Dieu me guérit. Dieu me console. Dieu me façonne. Dieu m'aime. Je suis son enfant. Il est mon père. Moi avec mon père. Moi avec mon père. Moi avec Jésus. Moi. Et il n'y a pas de mal à ça. Mais il doit y avoir une suite à ça. Ok? Il doit y avoir absolument une suite à ça. La communion parfaite, c'est cette nouvelle famille. Des nouveaux frères, des nouvelles sœurs. Waouh, trop bien. Et il y en a eu avant toi et il y en aura d'autres encore après toi. La famille est large, les amis. Elle est immense. Oh, elle est immense. Comment c'est possible que tout puisse fonctionner avec autant de monde? Quel est le projet? Quel est le plan divin derrière tout cela? Même sentiment, même amour, même âme, même pensée. Par la communion, koinonia, c'est cette communion que nous avons avec Dieu et par la volonté de vivre ce que Dieu désire pour sa famille. C'est cette communion qui va emmener ce véritable désir pour la famille. Vous m'entendez? Quand il y a communion, koinonia avec Dieu, à un moment donné, le moi se détache pour avoir le regard sur la famille. Je veux la communion avec la famille. Je veux avoir une même pensée. Ah bon, laquelle? Christ. La pensée du royaume. Je veux voir Christ grandir en moi et dans chacune des vies autour de moi. Je veux vivre ce que Christ veut que je puisse vivre. Je veux vivre les promesses. En fait, la même âme, même pensée, même cœur, c'est la parole de Dieu. Tout est là. Tout est ici, dans ce livre. Il est là, le véritable cœur de Dieu. Et si nous nous accordons, nous communions avec Dieu, nous allons communier avec sa parole et avec toutes les promesses qui sont dans sa parole pour nous, mais nous allons vouloir aussi que les autres puissent les vivre pleinement. Dieu est le dénominateur commun. Notre dénominateur commun, c'est lui qui nous rassemble. Alors j'aimerais vous montrer une petite vidéo rapide qui m'a beaucoup touché. J'ai regardé cette vidéo honnêtement au moins 20 fois.
hier. Regardez-la, s'il vous plaît. C'est drôle, ça. Honnêtement, je me suis dopé à cette vidéo hier, elle m'a fait tellement de bien. Et pourtant, pourtant il ne se passe pas grand-chose dans cette vidéo. Il y a juste un exploit de ce petit garçon avec une trottinette. D'ailleurs, ce qui rassemble tous les gens qui sont dans ce parc, c'est la trottinette, c'est ce sport. Ça, c'est leur dénominateur commun, ok ? Ils aiment ce sport. Mais ce qui m'a véritablement touché dans cette vidéo, c'est le cri de joie des adultes qu'on ne voit pas. Oh my God! Wow! Wow! Vous avez entendu comme moi? Ça m'a touché. Oh! Ça m'a même saisi à un moment donné. J'ai regardé, j'avais presque la petite larme en fait qui arrivait. Alors j'ai arrêté de regarder. Mais ça m'a touché. Je dis, wow! En fait, c'est comme si eux avaient fait l'exploit. Vrai ou pas? Et puis, il y a les réactions du petit qui vient de réussir. Oh, il n'en revient pas, il est dans un autre monde, il est sur un nuage, il ne sait plus comment réagir. Et puis en même temps, imaginez juste la scène si personne n'avait rien dit. Merci Jean-Pierre pour ça. Oh. S'il avait été tout seul. Il est en communion ce jour-là. Oh, c'est tellement beau la communion. Il se passe tellement de choses quand il y a de la communion. Et puis, il y a le sourire de ses amis. Vous avez vu le premier qui arrive, le sourire qu'il a. Le grand, le plus grand, il arrive, il a le sourire. Et il vient le checker comme ça, il a le sourire, il est heureux pour lui. Ça, c'est la communion. Et puis après, il y a la deuxième étape, c'est les autres, les plus petits qui arrivent, puis ils essayent de checker un peu maladroitement, ils ne savent pas trop comment faire, s'ils mettent le point, c'est un peu maladroit, mais c'est beau. Tout n'est pas parfait non plus, mais c'est beau. Il y a une belle intention, il y a une même pensée, il y a un même cœur, tout le monde va dans le même sens, c'est la réussite. On veut voir l'autre réussir. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu, moi je l'ai vu parce que j'ai regardé 25 fois la vidéo. Il y a des gens sur les gradins, sur les côtés. Ils sont loin de la scène, vous ne les voyez pas. Vraiment, sur la première fois, parce que nos yeux, ils sont rivés sur celui qui fait la trottinette. Il y a des gens, ils applaudissent comme ça. On remet la vidéo, Regardez. Oh my God! Regardez les gens sur les gradins là-bas. Yeah! Oh my God! Le sourire, oh, le check. You're a boy. Oh no. Hey. Le petit check maladroit. Oh, man. Oh, God. Voilà. Wow. Moi, j'aurais aimé être là dans ce skatepark ce jour-là, franchement, juste pour vivre ce moment-là. C'est tellement rempli d'authenticité, d'émotion, que ça en devient contagieux en fait. Ça devient contagieux dans ce skatepark. Là, tout le monde est en train d'être pris par ce qui est en train de se passer là. Alors oui, certes, c'est beau de voir ce gamin faire deux saltos avec sa trottinette. Mais ce qui est le plus beau, c'est voir tout le monde qui communie autour de ça. En tout cas, moi, ça me touche. Cette vidéo m'a touché. Et je me dis, mais nous avons un dénominateur commun. Dieu lui-même. Oh, Dieu lui-même. Les amis, nous avons celui qui réunit nos pensées, nos cœurs, nos âmes, qui unit, qui nous permet d'être en communion ensemble, vivre quelque chose d'extraordinaire, d'enthousiasmant, d'excitant, ensemble.
Et j'aimerais vous dire que c'est le projet de Dieu que nous puissions le vivre ensemble, que nous puissions communier ensemble, que nous puissions voir Jean-Jean faire des saltos avec sa trottinette et on sera là, ouais, Jean-Jean, il a fait le double salto, ouais. Et on va se réjouir. On va se réjouir de plein de choses. Mais la réalité, c'est qu'il faut être là. Il faut être là, il faut communier. Et la communion, ça ne se vit pas à distance. Ça se vit avec ceux qui sont juste à côté de nous. C'est être dans le même lieu, au même endroit. Vivre la chose. Nous sommes des êtres spirituels, vivants, pour que nous puissions vivre la vie de Christ ensemble. Celle qui nous unit, celle qui nous anime, celle qui nous passionne. Sans cette relation personnelle avec Dieu, cette nouvelle relation, nous sommes au niveau des connaissances. Nous avons des connaissances. Peut-être dans la vie naturelle, vous avez des connaissances. Peut-être même des amis. Même, vous pourrez dire, mais moi, c'est mes meilleurs amis. C'est très bons amis. Mais ça, ce n'est pas la communion koinonia. Parce que vous n'avez pas la même pensée, le même cœur, le même sentiment avec ces gens-là. Vous n'avez pas le même dénominateur commun. Mais nous, nous qui sommes en Christ, nous avons tous le même dénominateur commun. Dieu lui-même. Et nous sommes appelés à vivre cette communion. Est-ce que nous allons tous devenir les meilleurs amis de tout le monde? Non. Est-ce que nous allons être tous proches au même niveau? Non. Mais nous avons tous le même Père. Alors nous faisons tous partie de la même famille. Et nous regardons chacun comme un membre de la famille. Comme quelqu'un que Dieu aime, que Dieu honore, que Dieu respecte, que Dieu veut élever, que Dieu veut faire grandir, que Dieu veut affermir, que Dieu veut encourager. Et c'est cela qui nous anime. Et j'aimerais nous le rappeler. Nous sommes en Christ. Pourquoi ? Parce qu'il est ce grand frère qui nous a ouvert la voie. Il est le premier de la famille, en fait, à ouvrir le chemin, à avoir permis que la porte s'ouvre pour que tous les autres frères et sœurs entrent dans la famille. Il est celui qui a ouvert la voie. Et il n'est pas possible d'être en communion avec le Père, écoutez bien, il n'est pas possible d'être en communion avec le Père sans vouloir le reste de la famille. Vous ne pouvez pas juste dire, moi je suis avec le Père, les autres, see you later. Tu vois, on se verra au ciel, on aura le temps. Non mon ami, ouais tu vas avoir le temps long toi par contre là-bas, si tu n'es pas prêt. Ah t'es là toi? Ah ouais, ouais, pas prévu que tu sois là, tiens. Ouais. Oh, quelle surprise! Les amis, c'est le projet que Dieu veut pour nous ici. Si tu es en communion avec Dieu, tu dois accepter et vivre avec tout le reste de la famille. Tu ne peux pas juste venir frapper à la porte de Dieu et te dire, ben, y a personne, c'est bon. Non, le ciel est plein. Le ciel est déjà plein. Il y en a déjà qui sont venus avant toi, il y en a d'autres qui vont venir après toi. La communion est immense. Mais nous avons le même cœur, même âme, même pensée, même sentiment. Même nos sentiments... Les sentiments que vous avez, donc Dieu n'est pas contre les sentiments. Souvent une question qui est posée, est-ce que Dieu a des sentiments? Ben oui, Dieu a des sentiments. Il nous a créés à son image, vrai ou pas? Donc Dieu a des sentiments. Dieu nous a tant aimés. Donc il a des sentiments. L'amour, c'est aussi quelque chose qu'on ressent. Ok? Et quand Dieu vient changer ta vie, tu le ressens. Crois-moi, tu le ressens. Quand il te purifie de tes péchés, tu le ressens aussi. Ce n'est pas quelque chose que tu recherches tout le temps à vivre par tes sentiments, parce que nos sentiments sont trop fragiles et trop inconstants. Mais les sentiments de Dieu sont manifestés en Christ. Tous les sentiments de Dieu, tout l'amour que Dieu a pour nous a été manifesté en Christ. Donc même nos sentiments doivent être soumis aux sentiments de Christ. À ce que Christ a ressenti, ressent, vécu pour chacun d'entre nous. Et c'est cela qui aussi nous aligne tous. Nous sommes tous remplis des sentiments de Jésus. Quels sont les sentiments que Jésus a pour chacun d'entre nous? Ils sont les mêmes, il nous aime, point. C'est indiscutable. Il nous aime tous de la même manière. Le cœur du Père est pour tous. J'aimerais nous le rappeler cet après-midi. Il est pour tous et il est le même pour tous. Il n'y a pas de favoritisme dans la maison du Père.
Le Père a un nom, il s'appelle Amour. Amour, et cet amour, son nom ne change pas, peu importe avec qui il se trouve. Si nous n'avons pas envie de vivre la communion fraternelle, peut-être aujourd'hui vous en êtes là, ou peut-être vous avez vécu et peut-être vous vous dites « mais aujourd'hui j'en veux plus, j'ai trop, ça m'a fait trop mal ». Et c'est possible que vous ayez mal encore aujourd'hui. Alors, il faut communier avec le Père, celui qui va te restaurer, te guérir, te consoler. Mais le projet, c'est que tu puisses retrouver la communion fraternelle avec tes frères et tes sœurs. Pourquoi ? Parce que personne ici-bas sur la terre peut dire qu'il n'a pas besoin des autres. Personne. Nous avons tous besoin des uns et des autres. C'est comme cela que Dieu nous a créés. N'essayez pas d'aller contre ce que Dieu a créé. Vous allez vous y perdre. Acceptez ce que Dieu a prévu. Acceptez qu'il puisse changer votre vie, changer ma vie, changer la vie des uns et des autres, afin de pouvoir vivre véritablement le projet qu'il a. Ok, j'arrive tout gentiment sur ma conclusion. Je n'aurais pas fait ce que Josias a fait la semaine dernière. Alors, le Père a un plan pour le bon fonctionnement de la famille. Peut-être dans votre famille, vous dites, ben moi, j'aurais préféré qu'il y ait un bon plan aussi dans ma famille. Et je sais ici qu'il y a eu des gens qui ont vécu des choses très difficiles. J'ai eu la grâce de vivre dans un foyer où tout était quand même assez bien équilibré. Tout n'était pas parfait, mais tout était fait avec amour. Et je sais que ça n'a pas été le cas partout ici. Dieu en est conscient, et si je le sais, Dieu le sait avant moi. Et je sais qu'au travers de la communion que tu pourras trouver avec lui, il sera capable de restaurer ce qui a été brisé, afin que tu ne sois pas privé de la communion avec les autres. Alors le Père, voilà le plan qu'il a pour la famille. Vous êtes prêts ? Regardez ce que le Père veut faire avec nous. Ne faites rien par esprit de parti ou vaine gloire. Vous êtes toujours là ? Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres. C'est qui les autres ? Et ceux qui sont autour de nous. Regardez-les. Prenez deux secondes pour regarder ceux qui sont autour de vous. Mais regardez-les avec humilité. C'est ce qu'il dit. Notre humilité nous fait regarder les choses, les gens. De les regarder. Écoutez ce qu'il dit. Regardez les autres comme étant sous vos pieds. Non ? C'est pas ça qui est dit dans votre Bible ? Ah mince, c'était dans la mienne, ça. Non, en fait, je vais reprendre la vraie, qui dit « comme étant au-dessus de vous-même ». C'est possible, ça, qu'on arrive à regarder les autres comme étant au-dessus de nous ? Personnellement, humainement, j'y suis jamais arrivé. Jamais. Je suis bien trop orgueilleux pour arriver à ça. C'est pour ça que j'ai besoin de communier avec Jésus. Qui lui est venu, par humilité, il est venu jusqu'à moi. Qui était pécheur, qui ne méritait rien. Oh, je ne méritais rien, j'étais loin de lui. Ma vie était repoussante. Et il est venu jusqu'à moi. Oh, il est le modèle parfait. Chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas considérer ses intérêts, mais il faut considérer aussi ceux des autres. Ok ? Ça ne veut pas dire qu'on se néglige, qu'on ne prend pas soin de nous. Ça ne veut pas dire ça. C'est-à-dire qu'on considère nos besoins, mais on considère aussi ceux des autres. Ok ? Ayez encore en vous les sentiments, on en a parlé, qui étaient en Jésus, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Wow, l'humilité, considérer les intérêts des autres, comment est-ce possible ? En ayant les sentiments qui étaient en Jésus, en étant en communion avec le Fils. Quand j'étais à l'école biblique, il y a bientôt 20 ans, je suis arrivé le premier jour et là j'ai découvert ce que c'était que la vie en communauté. On était 120 étudiants venant de 25 pays différents. On partageait nos chambres dans 4 mètres carrés.
Tous les 3 mois, on changeait de roommate, là, de celui qui était dans la chambre avec nous. Et on découvrait ce que c'était que la communauté. Ah, oh, le premier jour, c'est tout feu, tout flamme. Ouais, salut, ça va? Ouais, trop bien, tu viens d'où? Oh, moi, je viens d'Afrique. Ah ouais, tu vis quel pays en Afrique? Ah, ouais. Et puis, tout le monde est content. Ah, toi, tu viens des États-Unis? Ah ouais. Et puis, une semaine passe. Laisse-moi, je prends mon petit-déj. Ouais. J'ai besoin de calme, je suis en méditation avec le ciel, s'il te plaît. Les challenges arrivent. Quand on est en communion, en communauté, c'est là que les problèmes aussi arrivent. Même sentiment. Mmh. Oh. Même amour, même pensée. Ouais. Soumettre sa vie à Christ pour pouvoir vivre la véritable communion fraternelle. C'est le remède, les amis. La communion koinonia, écoutez bien, et je termine, est le véritable signe du réveil dans nos cœurs. Le jour où nous vivrons koinonia, nous pourrons dire nous sommes un peuple réveillé. Nous sommes détachés du moi pour vivre pour les autres. Parce que nous vivons la réalité de Christ dans nos vies. Et c'est un témoignage pour le monde. Pour le monde. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À l'amour que vous vous portez, le monde verra que vous êtes mes disciples. Le monde verra, c'est un témoignage aussi pour le monde. La gloire de Dieu a été donnée pour quoi, les amis? Pour que nous soyons un et que le monde connaisse Christ. Et qu'il soit reconnu comme envoyé du Père par amour. La gloire de Dieu, les amis, n'est pas simplement un bénéfice personnel, c'est un bénéfice pour le corps. Si vous pensez que la gloire de Dieu, c'est juste vivre quelque chose entre Dieu et vous, vous vous trompez. La gloire de Dieu, c'est que Dieu va te donner et tellement te donner en abondance que tu ne pourras pas faire autrement que de le donner à ceux qui sont autour de toi. Et ça, la gloire de Dieu, en fait. Et nous, on veut que la gloire de Dieu vienne et la gloire de Dieu dit « Touche-moi, change-moi, fais-ci, et moi. » Et Dieu dit « Toi, tu n'es pas prêt. Si je te donne, tu n'es pas prêt parce que le toi va disparaître sous le poids de moi. » Et toi, tu n'existeras plus. Si vraiment je viens dans ma gloire, toi, tu n'existes plus. Et tu seras juste un petit canal que je vais utiliser pour déverser sur les autres. C'est ça la gloire de Dieu, les amis. Alors, je termine vraiment. Seigneur, pardonne-moi. Comment y arriverai-je? Les premiers disciples l'ont vécu, n'est-ce pas? Alors pourquoi nous, on ne pourrait pas le vivre? Pourquoi les amis? Pourquoi eux l'ont vécu? Et pourquoi pas nous aujourd'hui? Ne partez pas. C'est pas fini. C'est Josias, il s'en va. Comment ils vivaient? Le don de soi, les dons financiers, le soutien des ministères, des œuvres, les libéralités, la générosité. Ils mettaient tout en commun. Tout. Personne ne disait « c'est à moi, touche pas, c'est à moi ». Personne ne disait ça. Les pauvres venaient, les riches venaient et ils mettaient tout en commun, ils faisaient une grosse soupe. Et après, on ne savait plus à qui appartenait quoi que ce soit. Peu importe qui donne. Ils mettaient tout en commun et ils redispatchaient après, ils faisaient confiance à des gens pour redispatcher après à ceux qui avaient vraiment besoin autour. Wow. Koinonia. On est là ou on n'est pas là? Il y a du chemin encore, les amis, hein? Vrai ou pas? C'est à cela qu'on doit aspirer. Personne ne se considérait propriétaire. Allô? Personne ne se considérait propriétaire. Rien ne m'appartient. Tout est à lui. Alors, persévérez dans l'amour. N'oubliez pas l'hospitalité. Souvenez-vous des prisonniers, de ceux qui souffrent. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est le tel sacrifice que Dieu prend plaisir. Hébreux 13. Est-ce que l'équipe de louange, vous pouvez venir, s'il vous plaît? Alors, cet après-midi, on est un petit peu plus loin que simplement le repas fraternel, vrai ou pas? Mais ça me semble important de parler de cela, de ce programme qui dérange. C'est un nouveau programme qui dérange.
Et ça doit nous déranger. Moi, quand je prépare ce message, ça me dérange personnellement. Parce que je me regarde, j'y suis loin de ce koinonia. J'ai tellement besoin encore de crucifier ma vie, de mettre à mort Matt. C'est une mise à mort de ma vie pour laisser Christ véritablement vivre en moi. Pour vivre cette véritable communion et faire avancer le royaume. Je nous encourage, Église SOS, à persévérer. Pourquoi ? Parce que c'est le cœur du Père. Ça, c'est son cœur. Et il nous faut persévérer dans ce que Dieu désire et dans ce que Dieu a prévu. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ? Nous n'avons aucun moyen d'être la famille de Dieu sans koinonia. Nous ne sommes pas la famille de Dieu si koinonia, cette communion, nous ne la vivons pas. Nous sommes des connaissances, peut-être des bons copains, des bons amis, mais cela ne suffit pas, ce n'est pas le projet de Dieu. C'est koinonia, cette communion. Je vis pour les autres, je sers d'abord celui qui est à côté de moi. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase célèbre de John Haywood, un écrivain anglais qui a dit « Chacun pour soi et Dieu pour tous. » Vous voyez, vous connaissez cette phrase. « Chacun pour soi et Dieu pour tous. » Et j'aimerais dire non. Et j'aimerais qu'on dise non à ça. Ce n'est pas chacun pour soi et Dieu pour tous. Non, 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 non. Mais j'aimerais qu'on puisse déclarer aujourd'hui « Dieu pour tous. » Et moi pour chacun. Et soi pour chacun. Dieu pour tous, oui, Dieu pour tous. Et moi pour tous. Moi pour chacun. Ça, c'est le cœur du Père. Je le répète, nous voulons être une église qui aime et pas simplement une église qui parle d'amour. Est-ce que nous sommes prêts à vivre ce nouveau programme? Ce programme qui vient déranger nos vies un petit peu. Et c'est ce que nous souhaitons cet après-midi, cette véritable communion. Alléluia.